Nous saluons tous les amis, Chanel Foi et Bible, détente spirituelle, tous les responsables de l'Église catholique, évêques, pères. Nous saluons Sœur Monique Thomas, qui prend le potentiellement ça pour nous. Nous saluons toutes les animatrices avec animateur Foi et Bible. Je dis à vous, Foi et Bible, pour enseignement pour vous sur sacrement la réconciliation. Donc, c'est sacrement pénitence ou bien la confession. Je dis à vous, Foi et Bible, pour aider nous comprendre bien qui ça qui sacrement de la réconciliation, qui ça qui sacrement pénitence ou bien nous capables de dire la confession. Sans nous pas perdre du temps, nous avons demandé l'Esprit Saint pour nous remplacer dans mes nos amis internautes qui tout côté dans le monde. Nous avons disposé nous pour pouvoir être capable de vivre pour des fruits dans la vie. Pour nos papas, à petit là, à l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu, grand Mère, nous avons demandé autant pour lui, faites-nous grâce. Voyez l'Esprit Saint en sur nous. En façon spéciale, sur ce nom, Monique Thomas, qui pourra expliquer le texte biblique, qui pourra qu'il y ait pour nous dans l'enseignement. Ça. Tomber sur nous, chacun, nous tous. Et en façon spéciale, moi qui branche le conseillement ça. Pour parole, ça arrive à toucher le cœur et faire au convertir. Nous prions pour ça dans le nom de Jésus, le même qui vivant. Cap commander ensemble avec l'Esprit Saint, depuis tout le temps et pour tout le temps. Amen. Jésus, ami des hommes, prend pitié de nous. Jésus, force de Dieu, prend pitié de nous. Jésus, lumière du monde, prend pitié de nous. Fils bien-aimé du Père, prend pitié de nous. Seigneur vainqueur de la mort, prends pitié de nous. Seigneur glorifié dans la vie, prends pitié de nous. Enseignement, ça va faire dans mon père, dans mon papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Abriez principio, cahier notre nom, plume nous, bible. Souhaitez nous bonne participation. Et pas oublier, souvenez-vous ce qu'on a fait là, parlons un petit pouce bleu, parlons un petit like, et puis partagez enseignement ça pour plus de monde. Capable d'avoir accès à la parole de Dieu enseignement Christ. Bonjour tout internautes, tout fidèles et groupe Chanel Foi et Bible. Nous saluons des temps spirituels, nous saluons tout évêque là et puis avec toute peine archidiocèse là, spécialement communauté rédemptoriste là. Jodi a ta kou se nou e a kasan te gen tan anonse nou, nou pa pale de sakreman rekonsilyasyon an, ou bien nou kapab di sakreman penitans an, ou bien nou kapab di tout la konfesyon, ou bien konfesyon. Nou sonje ke nou genyen yon la fwa ki soti de l'Ancien Testament ki modifiye pou mwen pou Jezoukri. Sa vle di ke même action n'a pour les confessions jodia l'était qu'on fait dans l'Ancien Testament. Et par exemple, si nous pas 7 chapitres livre Lévitique, n'a pour côté monyo tout c'est toute une série de sacrifices qui était existé que l'homme monyo était qu'on fait péché, il était qu'on présenter sacrifice là by bon Dieu pour demander bon Dieu pardon. Et non seulement sacrifice qui existait, différents types de sacrifices, des gains holocaustes, des gains oblations qui s'est produit, il y a toute une série de autres sacrifices encore qui étaient existés dans l'Ancien Testament. Les mounions font péché, qui étaient toujours allés devant bon Dieu, aller porter sacrifice là, étaient toujours gagnés prêtre entre monde ça et bon Dieu qui était pour faire intermédiaire là. Entre deux mondes ça y est et vous êtes toujours côté sacrifice là bail prêtre là lui-même il présentait le bail bon Dieu non seulement tu gagnes un sacrifice mais tu toujours gagné des textes bibliques tout tu toujours demander mon yo pour aller confesser par exemple les ont fait péché par exemple si nous prenons Lévitique chapitre 5 verset 1 à 10 n'a pour côté il a demandé le monde péché qui ça rien pour le fait sinon tu apprends tout nombre 5 6 7 il dit nous lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain et en commettant une infidélité envers Dieu il se rendra ainsi coupable il confessera son péché etc.
Ça veut dire que tu as toujours gagné cette histoire de confession pour mon Dieu, tu as toujours demandé pardon pour péché. Et que ça, ça te permet de faire. Ça te permet que mon an, une fois péché ou pardonné, et mon an vini tout neuf, mon an te toujours été en condition de grâce devant bon Dieu, et n'importe quel problème, mon sa te ka gagne spirituellement, pas besoin de peur, parce que li déjà péché ou déjà pardonné. Et c'est ça qui fait tout, dans l'Ancien Testament, tout est un grand jour du pardon que. Et non, chapitre 16, si je ne me trompe pas, parlez-nous de lui. C'est ça que tu as appelé le Yom Kippour. C'était le grand jour du pardon, côté tout le monde te compte présenté à le poser, à le demander pardon pour péché. Le monde qui peut-être fait sacrifice, te présenté dans le grand jour du pardon, ça, côté à demander pardon pour péché. Tout ça, les amis, et l'autre, c'est pour nous faire connaître que cette histoire de confession, ce n'est pas jodi à là, son bagage que le peuple Israël est toujours con et pratiqué convenablement. Maintenant, ce n'est pas parce que le peuple Israël est con pratiqué qui fait nous-mêmes, je ne jodi à faut que nous pratiquions. Nous parlons ensemble qui ça. Jésus dit nous sous question et sacrifice ça. Le nous considérer quelques sacrifices que nous avons présentés par bon Dieu, qui pas de gens fait bon Dieu plaisir, parce que nous avons péché en bois et puis sacrifice, nous juste présenté sans nous pas balle trop importance. Le sacrifice, c'est comme si nous n'avons pas de rapport avec nous, c'est comme si nous avons rempli un devoir, il fini, et puis lui-même n'a pas participé vrai dans ça qui fait là. Alors, si le sacrifice ça, yon, pas de temps de faire bon Dieu plaisir. Et c'est ça que fait bon Dieu pour le voyer pour graine petite lia. Vin faire sacrifice ça une fois pour toutes sous bois la croix. Pour que nous-mêmes, avant que je ne j'en dis, nous sommes capables de joindre pardon pour péché nous. C'est ça, si nous lisons dans Hébreux chapitre 10, dans verset 5 à 10, nous voyons côté bon Dieu, le sacrifice ça, yon, pas de temps de faire bon Dieu plaisir. Nous voyons côté bon Dieu lui-même pour aller voyer seul grand petit lien Jésus-Christ vient faire sacrifice ça par exemple dans tout sacrifice que tu fais tu gagne holocauste ça veut dire sacrifice bête là côté tu qu'on bouler toute bête là ou bien partie ça va dépendre de qui j'ai péché à tailler et bien sacrifice ça bon Dieu pour aller faire seul grand petit lien à faire une fois pour toutes pour que pas changer sacrifice et holocauste là encore ni l'autre sacrifice que nous avons parlé pour pas donc pécher encore. On nous lit ça dans Hébreux chapitre 10 verset 5 à 10. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Très bien. C'est en vertu de cette volonté. Verset 9 l'a dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde chose. Ça que tu as fait avant, il abolit pour le capable de mettre en l'autre. Qui ça le mettait? Il dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus fait sacrifice, lui. Sacrifice bois la croix
une fois pour toutes, pour que par jamais un sacrifice bête encore pour le pardon de nos péchés. Et c'est ça que fait pendant Jésus dans le ministère, il t'a parlé avec un groupe monde, un foule monde. Et puis il mené en paralysé Bali. Mais devant Jésus, il a été tellement chargé avec le monde, il n'y a pas de côté pour y passer. Il a été obligé de monter côté sous toiture là, et puis il a marré brancard là, il a glissé paralysé hein, devant Jésus. Le rivé, texte a bien dit oui, voyant leur foi, ça veut dire foi monde qui glissé paralysé hein. Et puis Jésus pour aller dire monsieur ça péché yo pardonné. Mais te gon paquet moun qui était là, les pharisiens, les scribes, moun sa yo était là, yo te dit c'est bon, Jésus a blasphémé. Qui est ce moun qui capable pardonner péché si c'est pas Dieu seul? Et Jésus demande yo pourquoi ça nous gagne mauvaise pensée ça yo dans cœur non. On nous lit ça ensemble là. On nous lit là Luc chapitre 5 verset 17. À 26. Luc 5, 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Oh, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva. En leur présence, il prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Merci. Lecture vertigeant l'homme, mes amis et internautes, mais c'est tout bloc là qui explique le contexte texte là, et c'est une façon pour nous-mêmes, tous les appris la Bible là, faut nous respecter côté idée à commencer à, pour nous capables toujours gagner. Vraie parole. Oui, yo glissé paralysé à Jésus. Et puis Jésus dit que lève-toi. Jésus ouais foi l'homme mon yo qui te fait ça. Et pas la foi, et pas foi paralysé à foi l'homme mon yo. Jésus voyant leur foi et puis il dit au paralysé et que prends ton bancor, lève-toi et prends ton brancard et marche. Des mouns qui étaient là, je n'ai jamais dit, qui ça y a dit? Y a dit Jésus a blasphémé. Qui est ce moun qui est capable de pardonner péché si ce n'est Dieu et Dieu seul? Et puis Jésus dit, mais pourquoi ça y a une mauvaise pensée dans le cœur? Qui est ce qui est mieux placé pour dire que péché ou yo pardonné, lever, marcher? Il va y avoir une raison, oui.
Son façon pour nous connaître, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Sur la terre. Son façon pour nous connaître que petit monde, il a gagné le pouvoir sur terre pour pardonner les péchés. Et puis, même côté, il aurait dit paralysé encore. Je te l'ordonne. Prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant même, et paralysé enlevé, il y allait. Et le ça, il y a tout le monde qui était là, dans étonnement. Il y a ta baille, mon Dieu, gloire, parce que il n'y a pas de chambre, ça y a été ouais, dans le temps. Et c'est peut-être ça, il y a ta baille, mon Dieu, gloire. Qui fait? Il y a une phrase dans le texte là, amis, auditeurs, amis internautes, pour ne pas oublier, c'est. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Mais frère, ça tout faut pas oublier. Afin que, quel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Pour nous, qu'on est même, petit monde, pendant ce théâtre, fait ça. Jésus, comme grand prêtre, le prêtre Jésus, d'après l'ordre de Melchisédek. Jésus est le prêtre d'après l'ordre de Melchisédek. D'après ça, nous joignons dans Hébreux chapitre 5. Maintenant, il a dit que Jésus, comme grand prêtre, effectivement, Jean, Hébreux 10, l'a dit, lui, Jésus mourit. Et nous connaissons Jésus mouri dans vendredi. Il est levé dans dimanche matin. Nous connaissons Jésus qui mouri vendredi. Il est levé sous troisième jour dans dimanche matin. Et c'est ça, nous allons joindre ensemble en Jean 20, verset 29, 19 à 23. Jean chapitre 20, 19 à 23. Nous, Jésus a fait. Sacrifice là, nous songez, Jésus qui est mouru pour pardon péché non. Eh bien, Jésus mouru vendredi, il levé effectivement dimanche matin. Dimanche matin, il fait journée à marcher avec monsieur et Mauricio et fait qu'on arrive, il rompe un yeux monsieur ouvri, il y allait. Là, il est directement côté apothéotéie. Na aswe. An nou li ki sa Jésus a fait na aswe pou apotiote ya nan Jean 20 verset 19 à 23. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Très bien. Amis internautes, nous songez que Jésus mourit pour pardon péché. Il ressuscité dimanche matin. Dimanche dans la soirée, li allé côté apotio. Li di yo. Et ça c'est ça qui fait verset 19, ça dit le soir de ce jour. Ça veut dire le soir côté li te ressuscité, le soir li te ressuscité dans matin à soir. Qui ça le fait? Là le côté apotio teye. Li vini, li di yo: la paix soit avec vous. Et puis il dit, les disciples, en voyant le Seigneur, furent dans la joie.
Ça, c'est pas nous tous qui comprenons. L'heure fin fêté, Jésus dit une deuxième fois, la paix soit avec vous. Et dans verset 21, il dit, comme, qui c'est même Jean, le Père m'a envoyé, papa a envoyé maintenant, moi aussi je vous envoie. C'est à quoi que il dit ça. Il dit, je vous envoie. Mais pourquoi dit qui ça le voyait au fait? Le fin dit ça, il soufflait sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire, ça Jésus va le voyer faire. Il est tellement noble, il anticipait l'Esprit Saint sur Apotio. Parce que nous connaissons 50 jours plus tard que l'Esprit Saint a pas descendu officiellement sur Apotio dans le Sénat là, le jour de la Pentecôte. Mais jour résurrection, jour Pâques là, Jésus était tellement besoin tout quitter, grâce péché, grâce sacrifice qu'il faut faire, sacrifice pour le péché, pour le pardon des péchés qu'il faut faire. Jésus était besoin de quitter grâce là. Il ressuscité le matin, dans l'après-midi, il anticipait l'Esprit Saint sous Apotio. Il dit, même Jean-Papa a voyé maintenant, même tout me voyé nous tout. Ok? Il râlait l'Esprit Saint. Et puis c'est pour nous parler de mission. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Moun n'a pas donné péché ou a pardonné. Moun nous parle pas donné péché ou pas pardonné. C'est seule condition pour péché ou pardonné. C'est aller joindre apotio pour yo successeur apotio pour yo pardonner péché ou et c'est le ça péché ou la pardonné. Ou parler ou pas pardonné. Ou a parlé ou a pardonné. Pas de trop parole en pile sur ça, pas de trop discussion sur ça. D'ailleurs, si nous pouvons retourner dans le texte Luc, dans le texte Luc, nous songeons que les Jésus dit et paralysé que péché ou pardonné, il n'y a pas quelqu'un monde qui campait qui dit cet homme blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Qui est-ce qui est capable de pardonner les péchés nous si ce n'est pas seulement bon Dieu? Mais par contre, Jésus te réprimande pour dire que ça y a de mauvaises pensées dans le cœur. Journée aujourd'hui, si nous continuons à répéter même ça, pharisien, il te dit, premièrement, nous c'est pharisien, deuxièmement, nous avons passé à côté sacrifice Christ. Là. Pas oublier sacrifice Christ, ça c'était pour ça pour vous, c'était pour pardon péché là. Maintenant Jean-Christ là qui était sacrifice là, qui était fait sacrifice là, qui était bien fait sacrifice là pour aller prendre sous pas aller prendre ou mourir dans péché et péché pas qu'amène dans ciel ou péri avec péché. Cela veut dire que qui ça Jésus dit à Potio, il dit à Potio, moun n'a pas donné, a pas donné, moun nou parle pas donné, pas pardonné. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est même phrase, oui, il te dit dans Luc là. Il te dit, quel est le plus aisé de dire aux paralytiques, prends tes et grand corps et marche afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Et bien, l'Elvin dit dans Jean 20, même Jean-Papa a voyé maintenant. M'voyez nous tout, qu'est-ce que Jésus fait? Il a transmis le pouvoir aux apôtres. Jésus a transmis le pouvoir aux apôtres. Il transmet le pouvoir by apôtio pour apôtio continuer le travail lui-même qui a commencé. C'est ça que fait Jésus dit que et même Jean-Papa voyé maintenant, je voyé tout. Parce que Jésus transmet le pouvoir que tu as gagné par Apotio. Et c'est ça qui fait Apotio a le pouvoir, même Jean avec Jésus, pour pardonner péché. Mais non, Jésus. Parce que Apotio, même si c'est péché, parce que les Jésus levé jour soir, là, les bail et
li bay et apotio pouvoir pardonner péché. C'est trois jours seulement, oui, ça gagne. Depuis Pierre renoncer dit pas jamais contre Jésus, oui. Ça veut dire Jésus connaît Pierre, c'était avec pécheur, oui, il t'en a fait. C'est pécheur Jésus bail pardonner péché. C'est pécheur a même li bail droit faire ça. Cela veut dire que si Jésus bail pécheur a droit pour le pardonner péché, journée jodi a même ma foi nous pas ca camper pour nous dire que nous pas pas devant pécheur. Péché pas ta pardonner péché parce que Jésus te connaît ses péchés que il te baille. Zami internautes, n'a continué avec réflexion nous, n'a continué avec réflexion nous sur confession. Nous pour aller dans 2 Corinthiens chapitre 17 à 21, 2 Corinthiens 5 verset 17 à 21. On a lié ensemble pour nous ça Paul dit dans 2 Corinthiens 5 17 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant loin aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Très bien, très bien. Et ça c'est Paul qui a parlé. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Toute bagaille qui vient nouvelle, ça, c'est dans mon Dieu que il est sorti, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est Dieu qui nous a donné le ministère de la réconciliation le jour de sa résurrection. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire en dans ministère, ça a gagné un ministre qui a administré la réconciliation avec Dieu, qui a joué rôle encore en médiateur ou en ambassadeur. Entre moi-même encore avec Jésus, même Jean Saté qu'on fait dans l'ancien contrat. Il dit que, et tout cela vient de Dieu, ministère réconciliation, c'est dans bon Dieu que tu sortis. Tout cela vient de Dieu, quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, pendant Christ là. Pendant et bon Dieu t'a réconcilié monde là avec bon Dieu qui est dans Christ là et yo laisse ça yo joué rôle fonction ambassadeur pour Christ là le dans ministère de la réconciliation hein, le balai ministre qui là li joué rôle ambassadeur Christ là. Tout le monde connaît ça, ça veut dire un ambassadeur, ça veut dire un représentant pour Christ là. Il dit comme ça, c'est comme si Dieu exhortait pour nous. Ça veut dire les ministres n'ont pas donné péché là. C'est Christ là qui pardonne, c'est pas ministre là. D'ailleurs, ministre n'ont pas donné non non. Jésus, c'est ça il dit. Avec pouvoir papa ben moi nous pas donner au nom papa petite là l'esprit saint c'est non non Jésus
Moun ki an fas ou a, menm si l son peche, men l toune yon kanal la, gras la pase pa li pou l jwenn nou. Sou refuse l ou refuse gras bon Dieu. Li menm tou nan l'Eglise katolik, tout moun konfese, ni evèk, ni pap, pap son evèk, men son evèk ki bon preseyans sur les autres evèk. Pap la konfese, evèk yo konfese, Père au confessé, diable confessé, fidèle confessé. Dans l'Église catholique, c'est tout le monde qui confessé sans distinction. Paul dit, soyez donc réconciliés avec Dieu. Dieu, nous vous en supplions. Nous supplions à les réconcilier, pas arrêter avec pile péché ou pas en état de grâce devant mon Dieu. Sou li la pou sou fè n'importe qui gros maladie n'importe qui bagarre parce que péché yo pa pardonné et c'est seule façon Jésus te quitté pour joindre pardon la mer. Celui qui n'a point connu de péché, li fait tête li tourner péché pour être capable venir sauver nous. Pour être capable ba nous grâce péché à journée jodia, amis internautes, amis auditeurs. Si nous répétons que nous ne pas devant péché pour nous confesser péché, pas confesser péché, amis, nous regrettons ça pour nous. Nous faisons Christ la mourir en vain. Nous faisons Christ la mourir pour grémesser et puis la foi crasée et puis le point bas. La foi crasée parce que Christ la mourir pour grémesser. Tandis que Christ la mourir, matin, il ressuscite dans le matin, dans l'après-midi, il quitte grâce au sacrifice clair que nous avons fait pour recevoir, pour capable et pardonner le péché. Je souhaite que nous confessions le péché, nous allons dans le ministère de la réconciliation, Jean Jésus, Jean Dieu qui était là pour nous réconcilier le péché. Pas oublier, Pierre dit nous, Salmaré, sous terre, a marié dans ciel là ça démarré sous terre a démarré dans ciel là d'après Matthieu 16 verset 19 en écouter je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux Jésus dit Pierre m'a boucle les royaume ciel là so marié sous terre a marié dans ciel là so démarré sous terre a démarré dans ciel là le roi le démarré péché yo dans ministère réconciliation ou joindre pardon ni sous terre ni dans ciel là ça veut dire devant bon Dieu ou son monde qui propre ou son monde qui clean ou sans péché comme ça si l'on m'offre pour la joindre en condition vraiment dans condition pour joindre moi pour joindre bon Dieu faut nous pas quitter vieux courant qui mener nous qui dit nous pas faire ceci pas faire cela parce que c'est parole bon Dieu à nous pour nous obéir nous grand seul bagage pour nous obéir c'est à parole bon Dieu et maintenant qui gens nous capable faire une bonne confession. Nous capables de faire une confession seulement les nous font examen de conscience. Qui le nous capables de faire une bonne confession? Nous capables de faire une bonne confession seulement le nous fait un examen conscience. Nous examiner conscience nous pour nous voir qui ça nous fait qui bon, qui ça nous fait qui pas bon. Et tout ça ouais nous fait qui pas bon yo, nous devons demander bon Dieu pardon pour yo dans confessionnal. Ok? Tout ça nous fait qui bon. C'est bien, mais tout ça nous fait qui pas bon tout, c'est pour nous demander mon Dieu pardon pour nous capables de joindre pardon pour faute nous yo, pardon pour péché nous yo. Combien fois nous sommes capables de confesser? Autant de fois que le nécessaire. Autant de fois que le nécessaire. Son sacrement ou capable de recevoir plusieurs fois pour tout restant ou à passer sous terre parce que c'est Jésus qui quitte grâce sacrifice lié pour nous-mêmes. Autant de fois que ou capable et confesser. Maintenant, mais l'Église a conseillé peut-être confesser sous bien gérer tête ou qu'on fois pas moi. Après examen conscience ou capable de confesser, on ne soit pas moi. Mais dans la période pascale,
dans la période, par exemple, où fin dans le temps carême, quand on va entrer dans la période pascale, faut qu'on confesse pour capable bien vivre cette Pâque-là, qui c'est fête résurrection, la mort, résurrection Jésus-Christ. Pour capable bien vivre cette Pâque-là, faut qu'on en condition de grâce. Non seulement leur confesser ou tout et mettre en application et grâce sacrifice-là, mais en même temps tout ou même tout ou tout profiter grâce à Dieu ou même on vient changer tout pour capable en condition pour communier par ça que Jésus qui tournait et montant pour qui c'est pas qui c'est montant qui c'est l'agneau fait Pâque là pour nous recevoir manger Jésus-Christ il faut que nous en condition pour nous faire ça faut que nous propre faut que nous confesser pour ça qui laisse qui capable bailler sacrement confession hein sacrement réconciliation hein c'est prêtre et évêque c'est eux même dans clergé parce que nous sommes clergé composé de diacres de prêtres et des évêques. Mais dans le clergé, c'est prêtre avec évêque qui est capable de confesser. Alors, amis auditeurs, nous pensons que nous sommes assez clairs pour nous porter enseignement ça pour vous. Nous souhaitons que vous chita ou tendez ou bien compreniez et vous mettez en application. Comme ça, Jésus n'a suspendu, nous reclouer Jésus. Sous quoi? Parce qu'à chaque fois, nous disons, nous ne pas faire ça. Après gros sacrifice, ça, Jésus fin fait pour nous. Hein? Et puis, les gens qui te grâce là, nous-mêmes, pour nous venir corriger, ça va faire Jésus et plaisir, amis internautes. En nous été attachés avec la sacrement de la confession, nous, chaque fois que nous-mêmes nous avons besoin. N'allez, n'allez retourner encore pour l'autre enseignement. Qu'est-ce que nous faisons dans la foi?